Oh. Thank you, Father, because you are great for you are great for us. You are so great, Lord. Bless your name. Thank you. Voilà, bonjour, bonjour. Ah, c'est un peu compliqué. Ça va tourner. Ouf. Bonjour. Donc, il faut dire que nous sommes dans la ville de Berthois. Hein. Vraiment, j'essaie de bien positionner mon téléphone. Rien, on ne peut rien faire. Ok. Là, je pense que c'est bon. La gymnastique pour avoir une bonne position, c'est toute une bagarre quoi. Ouh. Voilà, bonjour à tout le monde. Connectons-nous massivement s'il vous plaît et que Dieu vous bénisse. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donnée dans le nom souverain de Jésus. Nous sommes dans la ville de Berthois déjà. On vient d'arriver à Berthois pour les grands programmes qui va commencer ce soir. La chaîne SCT. Voilà, connectons-nous s'il vous plaît et partageons la vidéo au maximum. Donc, pour ceux qui sont dans la ville de Berthois et ses alentours, passez l'annonce autour de vous, s'il vous plaît. Mais le prophète de Cana est déjà là avec son équipe. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Du côté de l'ancienne SCT à Mokolo 1, ça va commencer ce soir à partir de 17h. Nous lançons les hostilités déjà. Donc, il faut être là à partir de 16h. Parce que pour avoir une bonne place, dans tous les cas, pour avoir une place avantageuse pour vous, et ne venons pas seuls, nous allons travailler ensemble à la gloire du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, l'évangile sera prêché avec hardiesse et autorité, et le Seigneur nous bénira, il nous aidera, sa grâce nous permettra d'arriver. Donc dites à toute la ville, passez l'annonce autour de vous que le prophète Cana est déjà dans la ville de Berthois. Voilà. 3 jours de programme, 3 jours de bénédiction, 3 jours de délivrance. Et pour ceux qui me suivent en ligne, soyez connectés le soir. Et je vous dis la vérité, vous recevrez votre portion de bénédiction comme d'habitude, dans tous les cas. Donc, bien-aimés, partageons la vidéo, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Jusqu'à présent, je ne vois pas les gens, la vidéo est en train d'être signalée. Généralement, quand c'est comme ça, il faut envoyer les cœurs et les pouces bleus pour que Facebook ne puisse pas ralentir notre vidéo. Parce que quand on ne le fait pas, la vidéo est ralentie et beaucoup de personnes ne peuvent pas y accéder. Voilà. Donc, partageons la vidéo au maximum de personnes. Et je voudrais partager avec toi sur certaines choses qui concernent l'Église.
les choses qui sont importantes. Je suis en train de chercher un passage ici rapidement. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je serai en Gaoundéré. Donc, ceux qui sont en Gaoundéré peuvent déjà passer l'annonce autour d'eux. La semaine prochaine, nous serons en Gaoundéré mardi, mercredi. Non, mercredi et jeudi. Mais on arrivera là-bas plus tôt. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur la guerre qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes sont témoins de ce qui est en train de se passer dans, au sein de l'église du Seigneur Jésus-Christ ces derniers temps-ci. En ce qui concerne la guerre qu'il y a entre les... En fait, c'est le buzz qui est en train d'avoir lieu dans l'église actuellement. Il y a des directs qui sont faits entre les pasteurs, les docteurs, les prophètes, des enseignements, un acharnement inouï contre les prophètes. Et je dis que ce n'est pas seulement une histoire de l'Afrique, hein, c'est contre tous les prophètes du monde entier. C'est contre tous ceux qui se font appeler prophètes. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce qui arrive à mon téléphone ici vraiment? Et lorsqu'il y a des choses comme celle-là, je pense que il est bon de revenir sur une ou deux choses. Il est bon de comprendre certaines choses pour parler de revenir sur un certain nombre de choses. Voilà, peut-être vous avez suivi vous aussi des choses là-dessus, des hommes de Dieu qui ont parlé. Je veux voir Simon Bahia. Je vais répondre à Simon Bahia. Si vous avez des préoccupations, vous les laissez en commentaire, je vais les lire. Les faux prophètes, oui. Quel est leur impact dans ce continent? Dire des détails dans la vie des gens à l'église. C'est ça les prophètes de cette génération. On vit des fléaux, des meurtres dans la nation. Ils ne voient jamais rien. Pure distraction. Voilà, ça c'est Simon Bahia. Qu'il a dit. Et je pense que beaucoup de personnes ont cette pensée. Et vraiment, tous ceux qui ont des points de vue ou bien des pensées différentes, quelque chose à dire, dites-le en commentaire. Je vais le lire et je vais répondre bibliquement à votre commentaire ou bien à votre préoccupation. Donc, les faux prophètes, oui, quel est leur impact dans ce continent? Dire les détails dans la vie des gens à l'église, c'est ça les prophètes de cette génération. On vit des fléaux, des meurtres dans la nation, ils ne voient jamais rien, plus distraction. Voilà, là c'est Simon Bahia. Donc voilà Simon Bahia, il faut dire que, pour vous éclairer un peu, parce que je comprends que vous ne comprenez rien par rapport au mystère du ministère prophétique. Quand vous abordez le sujet, il est tellement complexe. Et il est réservé pour ceux qui ont reçu de Dieu la vocation de comprendre les mystères de ce ministère. Et ce ministère a toujours été mal compris et mal jugé dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'il recèle des mystères. Il est fondé sur des mystères. L'apôtre Paul parlera de ce qu'on appelle les areta remata. Ce sont des remas interdits. C'est des choses qui ne sont pas, il dit des paroles ineffables qui ne lui sont pas permises de dire aux hommes. On n'en parle pas. Parce que c'est des mystères, vous voyez. Et il dit qu'il a été Harpagenta. Donc quand vous dites les faux prophètes, oui. Et pour vous, les faux prophètes, c'est parce qu'ils disent des choses dans la vie des gens, dans les églises. Première chose. De deux, ils ne disent jamais rien sur les fléaux qui se passent, les meurtres et tout, dans le pays. C'est pour ça qu'ils sont faux prophètes. Et de trois, le monde n'a pas changé depuis qu'ils sont prophètes. Et donc, c'est une petite distraction pour vous. Ouais, c'est mal comprendre le ministère prophétique. Et c'est la même erreur que beaucoup d'hommes de Dieu commettent. Ouais, Simon Bahia. Il faut comprendre déjà que parler l'existence des prophètes
n'est pas là, les prophètes ne sont pas là pour changer le monde, pour que le mal n'existe plus. Même Dieu lui-même n'a pas fait ça. Donc je pense que la question qu'il fallait vous poser, c'est, depuis que Dieu existe, pourquoi il y a les meurtres dans le pays? Si Dieu lui-même n'arrive pas à arrêter les meurtres, le péché, la dépravation des mœurs, vous venez arrêter les prophètes, pourquoi? Ils n'ont rien à y voir. Allez vous plaindre à Dieu. Je pense que c'est celui qui est habilité à arrêter le mal, à arrêter Satan et tout. Pourquoi laisse Satan en liberté? Pourquoi il y a autant de choses? Cette question ne revient pas aux prophètes. Donc, ce n'est pas une question, une raison pour dire que les prophètes sont faux. C'est mal pensé dans tous les cas. Et en plus, lorsque vous dites qu'ils ne parlent jamais de meurtre, il y a des prophètes qui en parlent. Je pense que c'est que vous ne connaissez donc pas que les prophètes sont divisés en trois grandes familles. Et c'est là que tout le monde se leurre. C'est-à-dire que vous entrez dans l'église d'un prophète, il prophétise dans la vie des gens et on se fâche. Il ne parle pas sur la nation. Vous partez dans une église, un prophète parle sur la nation, on se fâche. On dit qu'il ne parle pas dans la vie des gens comme l'autre prophète. Vous allez dans une autre église, le prophète ne parle jamais dans la vie des gens. Il ne prophétise pas dans la vie des gens. On dit que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que les prophètes là, à l'intérieur, il y a trois grandes divisions. Il y a trois grandes familles de prophètes. La Bible dit dans 1 Chronique 29, il dit, dans le texte hébraïque, il dit « Wajibre David Hammelek ». Wajibre David, Amalek. Les œuvres ou les actes de David, le roi. Harishonim, ou Haaronim, les premières et les dernières. Inam ketubim al Jibre, Shemuel, Haroe, sont écrits dans le livre de Samuel, les Roe. Haroe, dans le livre de Samuel, les Roe. Et dit, oui, Al-Jibre, Nathan, Han-Nabi, et dans le livre de Nathan, le Nebi. Oui, Al-Jibre, Gad, Ha-Hosé, et dans le livre de Gad, le Hosé. Donc, vous verrez que dans ce passage, d'un Corinthiens 29, en hébreu, on comprend mieux ce que c'est que les familles et les divisions des prophètes. Il y a des prophètes Nabi, il y a des prophètes Rohé, il y a des prophètes Hosé, en hébreu. Mais le français n'étant pas autant riche que l'hébreu, celui qui lit la Bible en français ne comprendra pas bien beaucoup de choses dans la pensée de Dieu exprimée en hébreu ou bien en grec. C'est pour cela que les langues originales bibliques sont importantes pour mieux expliquer le livre et mieux le comprendre. Donc vous voyez que dans ce passage, la Bible hébraïque parle de trois catégories de prophètes qui étaient tous des prophètes de David. Il y avait les Rohé, qui sont les prophètes voyants. D'un prophète voyant, c'est lui qui parle dans la vie des gens. Quand vous prenez par exemple le prophète Samuel, lui, il prophétisait dans la vie des gens. Il parlait dans la vie des gens. Il a parlé dans la vie de Saül. Il a parlé dans la vie de David. Il allait dans la famille de David. Voyez, il dit à Saül, viens, je te révélerai les secrets de ton cœur. Ça, c'est la particularité des prophètes Rohé. Maintenant, on a les Nébis, qui sont les porte-parole de Dieu pour les nations. Ils sont envoyés vers les nations. Ils parlent au roi. C'est eux donc qui annoncent les événements qui vont se passer dans les nations, comme vous êtes en train de dire. Vous voyez. Donc si un prophète est un rohé et qu'il n'est pas appelé en tant que nébi, il ne peut pas prophétiser sur les événements de la nation parce que ce n'est pas son couloir, ce n'est pas son appel. Maintenant, il y a les prophètes Hosé. Les Hosé, eux, ce sont des prophètes apocalyptiques. Ils sont eschatologiques. Pour eux, ils sont spécialisés à annoncer des jugements de Dieu et en voyant des visions horrifiantes et terrifiantes comme l'apôtre Jean qui était un prophète Hosé. C'est-à-dire qu'il a des visions eschatologiques et apocalyptiques. Voilà pourquoi l'apôtre Jean vous dira par exemple « Egenomen empenomat intekuria ke emera et kusopisomu fone megaleos alpigos » et je fus transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Ouais. Donc, Simon Bahia, il faut savoir qu'un prophète qui prophétise dans la vie des gens, dans les églises et qui révèle les secrets, c'est biblique. L'apôtre Paul l'expliquera clairement en disant que lorsque dans une assemblée des saints, il entre quelqu'un du peuple ou bien païen et qu'un prophète se lève et qu'il révèle les secrets du cœur de cet homme tombera face contre terre
et confessera que Dieu existe et qu'il est réellement au milieu de vous. C'est ça le but du prophète Rohe, le voyant. Il n'est pas là pour convaincre, pour enlever le péché du monde. Aucun ministère. Ce n'est pas seulement l'existence des prophètes qu'il fallait fustiger par rapport au mal qui ne fait qu'aller au galop. Il y a des docteurs de la parole qui ont aussi leur rôle dans l'église. Malgré qu'ils se multiplient, le mal aussi s'accroît. Il y a les évangélistes. Malgré qu'ils évangélisent, le mal s'accroît. Il y a les pasteurs. Il y a les apôtres. Les apôtres se multiplient. On a tellement toute une ribambelle, toute une panoplie, hein, un conglomérat d'apôtres aujourd'hui dans nos nations. Mais le mal n'a pas cessé pour autant. Jésus-Christ lui-même est venu et le mal n'a pas cessé. La mort de Jésus n'est pas pour faire cesser le mal. Il faut que vous compreniez le but du christianisme. Le but du christianisme, c'est apporter le salut aux pécheurs, aux repentants. C'est-à-dire le pécheur qui veut le salut. Alors, il a droit au salut. Le salut est disponible pour tout le monde, mais il n'est pas forcé. Si vous le voulez, c'est à vous de tendre la main vers le salut, de prendre le salut. Mais la mort de Jésus-Christ rend susceptible chaque être humain sur la terre d'être sauvé. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est le faux prophète parce qu'il prophétise dans la vie des gens. C'est leur rôle. Ils jouent leur rôle, c'est des rohe. Quand vous voyez un prophète qui prophétise dans la vie des gens, c'est un rohe. Maintenant, si vous suivez ma page, vous verrez qu'il y a des grands événements qui sont annoncés par le Saint-Esprit sur cette nation, sur d'autres nations qui sont arrivées. Donc avant de parler, parfois, Simon, il faut parcourir nos pages, ou bien visiter les pages du prophète. Il y a des grands hommes de Dieu au Cameroun qui ont annoncé des grands événements qui se sont accomplis exactement, et dans d'autres nations qui ont annoncé des événements qui se sont accomplis. Donc, voilà ce que vous devrez savoir, ce que je pourrais répondre là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations sur les prophètes? Il y a des préoccupations par rapport aux prophètes. Voilà, Seigneur, te bénissons pour ce moment. Vraiment que la confusion qui règne dans l'église autour de cette guerre-là puisse s'arrêter. On a Jenny Lynn qui dit, la Bible dit qu'ils vous feront la guerre et vous vaincront. Ce sont des prophéties divines et elles s'accompliront certainement. Tenez bon. Non, certainement la personne vous lui dit, vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Voilà. Moi, je pense que, voilà, il y a quelqu'un qui dit, oui, papa, nous sommes témoins de ces mouvements dans l'église, oui. Donc, il y a une sorte de désordre dans l'église aujourd'hui où certains docteurs ont pris sur eux de fustiger les prophètes. Moi, je pense que si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans l'église, vraiment, tout le monde a le droit de dire que ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Si vraiment la chose est en train de mettre les gens à la dérive. Si les... On dit comment, on a Marcel Kouakou qui dit comment reconnaître un bon prophète. Parce que nous entourés de beaucoup de prophètes et on ne sait pas qui dit vrai. Voilà, mais ce n'est pas seulement le problème des prophètes. Parce que les prophètes même ne sont pas faits dans l'enseignement. Les prophètes, on a aussi les pasteurs. On a entouré beaucoup de pasteurs, de beaucoup de docteurs. Et je dis même que tout le monde trouble l'église. C'est-à-dire, il y a un désordre parmi les prophètes, il y a un désordre parmi les docteurs et les enseignants. Les gens enseignent des choses dans l'excès de zèle, parfois qui contredisent ce qui est écrit dans la Bible, des vérités simples, dans les Saintes Écritures. Vous voyez, moi je suis revenu par exemple sur certains enseignements de certains docteurs de la parole en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo. Je suis revenu là-dessus, je vais répondre à la question. Hein? Un enseignant qui expliquait que les prophètes de l'Ancien Testament allaient vers les gens. Non, les gens allaient les consulter. Mais les prophètes du Nouveau Testament vont vers les gens. Il a donné l'exemple d'Agabus qui allait vers l'apôtre Paul. Et j'ai dit que non, mais il faut faire attention. C'est dangereux. J'ai dit que non. Si un docteur de la parole le dit, c'est qu'il est en train de commettre une grave erreur et il met sa communauté dans l'erreur aussi parce que les gens ne lisent pas la Bible. Et j'ai expliqué que chaque prophète a deux rôles, deux responsabilités. Il peut aller adresser la parole de Dieu à quelqu'un et les gens peuvent aussi venir à lui consulter la parole de Dieu. C'est les deux actions-là qui déterminent le ministère d'un homme de Dieu. C'est ça un prophète. Chaque prophète est comme ça. Ça fait partie du rôle des prophètes. Un prophète, Dieu peut lui dire, va, comme il a dit à Saül, Samuel, va comme ça. Ou alors il peut rester sur place
Et comme Saül est venu consulter sa mère sur place, c'est les deux rôles. Donc quelqu'un ne peut pas dire que dans l'Ancien Testament, les prophètes, on les consultait, ils n'allaient pas vers les gens. C'est une fausse doctrine. C'est une hérésie. Ça veut dire quoi? Je prends juste l'exemple de Samuel. Samuel a été envoyé, il allait dans la maison d'Ésaïe. Ce n'est pas la maison d'Ésaïe qui est venue vers lui, il allait vers eux. Et beaucoup de prophètes là, comme vous avez Jonas, il a été envoyé à Ninive, il allait à Ninive. Et beaucoup d'autres prophètes ont été envoyés vers les nations prophétisées dans l'Ancien Testament. Et puis ils ont aussi été consultés, comme Saül est venu consulter le prophète Samuel, ou bien comme la femme de Jéroboam est allée consulter le prophète Achija. Il y a beaucoup d'exemples comme cela dans l'Ancien Testament. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Les prophètes du Nouveau Testament ont le même ministère. Ils vont vers les gens et les gens viennent consulter Dieu vers eux. Et puis, il a donné l'exemple d'Agabus, Agabus qui est allé vers Paul. Ça, c'est vrai. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Agabus est allé vers Paul. Mais cependant, l'apôtre Paul explique comment l'église primitive fonctionnait. Comment le prophétique doit fonctionner et comment ça marchait dans l'église. Et le même homme de Dieu a expliqué que... et puis, en ce qui concerne le ministère des prophètes, Jésus, on venait le consulter et il allait aussi vers les gens. Il a rempli ces deux ministères-là. Ça, c'est clair. Et les apôtres aussi allaient vers les gens et on venait aussi les consulter. Là aussi, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas nier ce fait-là. Donc, maintenant, le même homme de Dieu dit qu'on ne doit pas dévoiler les secrets des gens en public, à l'église. Que ce n'est pas biblique. Ça n'était pas, c'est pas biblique. Dans la Bible, que normalement, quand il y a une prophétie, il faut aller dire ça à quelqu'un dans ton bureau. Tu appelles la personne dans ton bureau et tu prophétises sur la personne au bureau. Comme pour dire que non, les prophéties que nous donnons dans les assemblées en public, là, c'est condamnable, c'est pas bon. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 25, quoi. Il dit quoi? Il dit, si donc dans une assemblée, verset 23, si donc dans une assemblée de l'église entière, c'est-à-dire dans une assemblée comme lors d'un culte, si donc, l'apôtre Paul dit, si donc pendant un culte, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voilà, des hommes du peuple, c'est-à-dire un chrétien, un simple frère. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, la Bible dit clairement que dans une assemblée, quand on vient faire nos cultes là, si tu prophétises, un prophète prophétise comme nous faisons là, nous révélons les cœurs dans la vie des gens. Et comme notre frère de Bahia disait tout à l'heure que ça ne sert à rien. La Bible dit que ça sert à ce que les hommes croient que Dieu existe et que Dieu connaît leurs problèmes. Imaginons-nous, quel est le but même du prophétique? Quel est le but du prophétique dans la vie du croyant et dans la vie du non-croyant? Dans la vie du croyant d'abord, le prophétique apporte la conviction, c'est-à-dire le non-croyant, dans la vie du non-croyant. Le non-croyant, lorsque les secrets de son cœur sont révélés, comme l'apôtre Paul l'a dit clairement, il tombera face contre terre et confessera que Dieu est vraiment au milieu de nous. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but du prophétique pour le non-croyant. Deuxièmement, pour le croyant. Le prophétique vient encourager le croyant dans les combats de la foi. En lui rappelant que Dieu le connaît, que Dieu connaît sa situation, Dieu l'appelle par son nom. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles, des épreuves de la foi, et puis il y a une prophétie qui lui dit, je te connais, je connais ton cœur, je connais ce que tu as traversé. Voilà, hier, tes choses s'est passées comme ça, tes choses s'est passées comme ça. Et le frère sera fortifié dans la foi, dira, waouh, donc Dieu me connaît. Et il va prendre une force. Donc comment connaître un faux prophète ou bien non, ou un,
d'un vrai prophète. Pour connaître un vrai prophète, distinguer un vrai prophète d'un faux prophète, il faut être soi-même un vrai enfant de Dieu. Ça, c'est la première chose. Il faut être un vrai enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles la reconnaissent. Mais elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Mais elles fuient loin de l'étranger. Ouais, donc, comment connaître la voix de Jésus-Christ exprimée aujourd'hui à travers ses serviteurs? Et Jésus l'a dit clairement que ses brebis à lui ne tâtonnent pas lorsqu'elles entendent et écoutent sa voix. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous n'arrivez pas à distinguer la voix de Jésus-Christ à travers un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes faux. Donc, la réponse est très simple. Pour connaître et distinguer un vrai serviteur de Dieu d'un faux serviteur de Dieu, il faut que je sois un vrai enfant de Dieu, que je sois une vraie brebis. Si je suis une vraie brebis, les vraies brebis savent écouter la voix de leur maître à travers ses serviteurs. Voilà pour votre réponse. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Donc je disais que dans le prophétique, dans le ministère prophétique, il y a des exactions. Ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'on ne doit pas défendre tout. On ne doit pas tout défendre. La même chose dans le ministère doctoral des enseignants, il y a des exactions. Parfois, quand j'écoute certains enseignants enseigner la Bible et révéler certains choses qu'ils appellent révélation, vraiment, j'ai la chair de poule. Pourquoi? Parce que c'est que les passages qu'ils expliquent en grec et en hébreu, là, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir dedans. Ils expliquent, ils induisent l'Église en erreur. Mais les gens disent amen parce que les gens ne veulent pas s'investir dans les langues hébraïques et la langue grecque. Quand tu vas demander, on va dire que non. C'est le Saint-Esprit, j'ai mon Saint-Esprit, ça me va. Est-ce que Jésus-Christ enseignait? Est-ce que Jésus avait appris le grec ou bien l'hébreu? C'est ça l'Église aujourd'hui. Donc, il y a des exactions. On a dit d'autres faux chrétiens à la recherche des miracles sont aussi la cause car ils défilent d'église en église. Là, c'est Pascaline Amana qui l'a dit. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des exactions au milieu des prophètes. Ça, on le reconnaît. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes. Mais lorsqu'on dénonce certaines choses, il faut rappeler aux gens que Dieu a des vrais serviteurs parmi les prophètes. C'est ça d'abord. Parce qu'il ne faut pas rendre vain le travail de tout le monde. Non, non. Ce n'est pas comme si on disait que vous tous, les enseignants de la parole, là, le docteur de la parole, vous êtes tous faux. Vous ne connaissez rien. On prend les vrais, les faux, les met dans un panier. Non, il faut aider les gens. Vous dites aux gens que non, il y a les vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais docteurs de la parole. Il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais apôtres. Il y a des vrais prophètes. On commence par là d'abord. Maintenant, vous aidez aux gens, vous aidez les gens maintenant à reconnaître c'est quoi un faux prophète. Déjà, un faux prophète, c'est une personne que Dieu n'a pas appelée. Ou alors, c'est une personne que Dieu a appelée, mais qui s'est égarée, qui a abandonné Dieu. C'est un apostate. Parce qu'il y a une différence entre un apostate et un hérétique. C'est deux choses différentes. L'hérétique, c'est quelqu'un qui pense être dans le droit chemin, mais qui ne sait pas qu'il est en train de se tromper sincèrement. Il s'égare sincèrement, avec sincérité. Donc, il ignore qu'il ignore. Tandis que l'apostat, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il sait qu'il est au service du diable. Un faux prophète, c'est celui qui va chez les marabouts pour avoir la puissance. Celui qui triche. C'est-à-dire qu'il arrive dans une église, au lieu de prophétiser par le Saint-Esprit, il use de faux, usage de faux. Il fait le faux et use du faux. C'est-à-dire qu'il met ses fils-là qui prennent des informations sur les gens, il prophétise avec les informations qu'on lui donne. Ou bien sur Facebook, il passe son temps à étudier les gens sur Facebook. Ça, c'est des faux prophètes. Parce qu'un vrai prophète n'a pas besoin de tout cela, parce que le Saint-Esprit est plus puissant que ça. C'est l'esprit de la prophétie, l'esprit du témoignage. Le Saint-Esprit, vous voyez, certaines personnes n'arrivent pas, certains prophètes n'arrivent pas à prophétiser et à voir. Ils sont obligés de tricher. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas le prix. Parce que dans le ministère prophétique, il y a un prix de consécration. Ça, c'est obligatoire, mes amis. La consécration. Je tenais une réunion avec mes fils, la réunion mensuelle de tous nos pasteurs du Cameroun. Il y a un de mes fils qui s'est levé et qui a dit, parce qu'on m'a demandé que, papa, le secret de votre ministère, c'est quoi? Et j'ai répondu que c'est la consécration d'abord. L'un de mes fils s'est levé. Il a dit, non, il n'est pas d'accord. Lorsqu'on dit que je réponds que c'est ma consécration qui fait que je prophétise. Il dit non, c'est la grâce de Dieu qui fait prophétiser. Parce que pour lui, la vie du prophète n'est pas importante, c'est la grâce.
Donc, quelqu'un peut vivre dans le mal, vivre dans le désordre, mais Dieu l'utilise parce que sa grâce est sur lui. Je lui ai dit non, ça c'est une hérésie, c'est une fausse doctrine que tu as en train de répandre. Si tu penses que tu dois vivre dans l'indiscipline, dans l'immoralité, en fait mener une mauvaise vie, une vie sale, et sans aucune discipline spirituelle, et Dieu t'utilise, je lui dis, mon fils, tu te trompes. La Bible dit qu'on ne verse pas le vin nouveau dans les vieilles outres. On verse le vin nouveau dans des outres neuves. Et il est écrit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ah, il dit, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voilà, donc, je lui ai dit que la sanctification, la consécration sont à la base du ministère prophétique et même de toute relation avec Dieu dans tous les cas. Ouais, donc, certaines personnes étant en difficulté de mener une vie de sainteté, de pureté, se retrouvent donc obligées de vivre n'importe comment, dans le désordre et tout, dans les beuveries, les boîtes de nuit, les bars, les femmes et tout ça. De si vous voyez un prophète qui prophétise, mais sa vie est sale, c'est-à-dire pratique le péché, il aime et pratique le péché, vit dans le péché, va de femme en femme, il est dans les boîtes de nuit tous les jours, il va chez les marabouts, il fait des choses comme celle-là, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai, il est faux. Parce qu'un vrai prophète est un homme caché. C'est un homme qui est dans la présence de Dieu. C'est un homme qui se purifie. C'est un homme qui se sanctifie. D'ailleurs, ce n'est même pas quelqu'un qu'on rencontre n'importe où. Moi, je suis étonné de voir les prophètes de cette génération. Tu vas dans un bar, tu vois le prophète. Tu rencontres le prophète dans les hôtels avec les femmes. Tu rencontres le prophète dans les boîtes de nuit. À ça, là, je dis que c'est une insulte au saint ministère prophétique. Dans leur vie, ils voulaient reconnaître leurs fruits. Donc, quelle est la vie que le prophète mène? Ça, c'est important. Je pense que c'est l'un des plus grands indices qu'il faudrait que vous sachiez déjà. La vie du prophète, il vit comment? Nous louons le Seigneur pour les prophètes que vous donnez, les prophéties que vous donnez, qui manifestent la puissance de Dieu. Amen. Voilà, on a qui encore, papa, sur le plan de Dieu. Que la grâce soit toujours accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais avoir votre point de vue et je voudrais le lire, hein. Le partager avec les bien-aimés pour que les gens puissent comprendre. Voilà, il faut dire que je serai en Côte d'Ivoire le mois prochain. Mes frères ivoiriens, le mois prochain, je serai là avec vous. On a Tatiana Niasam qui dit comment reconnaître que Dieu agit dans sa vie. Bonjour. Non, mais vous ressentirez le surnaturel. Quand Dieu est là, vous savez qu'il est là, ça c'est clair. Quand Dieu est là, il n'est jamais silencieux, il fait des bruits. Voilà, moi je pense qu'il faut que les gens puissent comprendre que la guerre dans l'église aujourd'hui ne devrait pas opposer les ministères. Jésus en partant, il nous a laissé cinq ministères et il n'a jamais demandé qu'on soit en guerre. Mais parfois les motivations de ces guerres-là même, c'est des motifs égoïstes, égocentriques. C'est-à-dire que les gens préservent la mangeoire, excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Certains hommes de Dieu préservent leur mangeoire. Parce que le ministère prophétique est un ministère très glorieux et qui attire des foules. C'est un ministère, vous savez, il est poumonnant, il est époustouflant. C'est-à-dire qu'il a un éclat, une gloire que d'autres ministères n'ont pas. Et ça fait que lorsqu'un prophète se lève dans une nation, le plus souvent ça fait de grands bruits, ça fait de grands fracas. Et certains hommes de Dieu qui ont quand même une certaine notoriété peuvent se sentir menacés par ça. Et puis les actions prophétiques, etc., c'est des choses qu'on ne peut pas balayer du bout de la main. C'est vrai qu'il y a des exactions dans le milieu prophétique. Il y a des actions prophétiques qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Là aussi, il faut le reconnaître. Il y a des actions prophétiques qui sont inspirées même par l'égoïsme, l'égocentrisme de certains hommes de Dieu. Donc, mais il faut dénoncer ces choses. Dénoncer, on interdit à personne de dénoncer, mais il faut faire la part des choses. Il faut équilibrer les choses. On a Sislo Yata qui dit, « Papa, ma préoccupation est celle de ma vie et ma famille. » Tout va mal. Bon, vraiment, je voudrais une préoccupation par rapport à la guerre entre les ministères aujourd'hui dans l'église. Parce que les chrétiens ont besoin de réconfort. Nous, on est des prophètes. Maintenant, vous êtes prophètes, vous prophétisez. On dit pourquoi vous prophétisez. Mais on nous appelle prophètes, vous entendez même le nom, la prophète. Un prophète, c'est un prophétiseur. Et j'ai expliqué que le prophète n'est pas un enseignant de la Bible. Normalement, quand vous arrivez dans une église, d'ailleurs même que les prophètes ne tiennent pas d'église. Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère itinérant. Il y a trois ministères itinérants parmi les cinq. Il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste. Ça, ce sont des personnes indépendantes, des ministères indépendants qui sont gérés directement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en est le superviseur général.
Donc l'apôtre se lève, il part où l'Esprit l'envoie. Le prophète se lève, il va où l'Esprit l'envoie. L'évangéliste se lève, quand l'évangéliste Philippe, qui disparaissait et apparaissait dans d'autres villes, il va où l'Esprit l'envoie. Donc ces choses-là, l'Église doit les comprendre. Il faut le savoir. Mais le ministère prophétique est le seul ministère auquel sont attachés les actions prophétiques ou les actes prophétiques. Et il y a beaucoup de polémiques autour des actes prophétiques. Et il faudra qu'on revienne là-dessus encore. Vous voyez, il n'y a que chez les prophètes qu'on a vu dans la Bible, un prophète dire que Dieu lui a demandé de manger les excréments humains. Mais ce n'est pas sérieux, mes amis. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas sérieux. Nous lisons la Bible comme si on ne la lit pas. Je vous assure. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je vienne à l'église, je viens avec de la crotte humaine. J'apporte de la crotte humaine. Je viens avec la crotte humaine. Et que je vous dise que la crotte-là, excusez bien aimé, je sors un plastique noir comme celui-ci. Et à l'intérieur, je vous sors un morceau de crotte humaine. Et je vous dis que j'étais en train de prier. Lorsque le Seigneur m'a demandé de prendre cette crotte, la crotte-là, la crotte des excréments humains, les popos, je viens à l'église. Je prends ça, je m'amène là, je sors ça. Et je vous dis que Dieu m'a dit de manger ça. Et je croque, c'est sec, ce qui est bien sec là, croustillant. Je croque ça, kik, et je marche devant vous. Entre nous, mes amis, Facebook, mon nom ira partout dans Facebook. C'est ça la réalité. C'est sérieux. Mon nom, on va dire prophète, un faux prophète, un sorcier, un vampire, mangeur de crottes. Il a mangé les caca en plein culte. Excusez le terme. Il a mangé, voilà les faux prophètes aujourd'hui. Je vous dis la vérité, surtout Internet, les gens vont le dire. Mais pourtant, Dieu a demandé ça aux prophètes de la Bible. Pourquoi on ne les combat pas? Parce que leurs noms sont dans la Bible, parce qu'on les a trouvés. Hein? Mais si ces prophètes-là, un prophète aujourd'hui se lève pour faire une chose comme celle-là. Il vient avec ses urines. Il dit, Dieu m'a dit de boire mes urines. Il l'urine et il boit devant les gens. Les gens vont le taxer de sorcier. Mais ces hommes-là, l'Esprit de Dieu leur a demandé de faire ces choses dans un but. Voilà pourquoi le ministère prophétique est dangereux. Juger les actes prophétiques, il faut faire attention. L'apôtre Paul, je pense que c'est son mentor, Gamaliel, a dit au Sanhédrin, ne craignez-vous pas qu'en combattant ces hommes, ce soit Dieu que vous soyez en train de combattre. Et qu'est-ce que Jésus lui-même dira? Il dit, le temps viendra où les hommes vous feront mourir, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Donc les gens vous persécuteront, pensant qu'ils sont en train de défendre Dieu, pourtant ils sont en train de lutter contre Dieu. Mais c'est sérieux, mes amis. Vous voyez par exemple un prophète qui vous dit que Dieu lui a dit de se coucher sur son côté pendant un an. Il ne bouge pas. Vous lui demandez, c'est comment? Il dit, non, 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 je ne sors pas. Il dit que Dieu lui a dit de manger, d'avoir pour nourriture la bouse de bœuf, c'est-à-dire les caca de bœuf. Et c'est un prophète majeur. Nous prêchons ce message. Mais si c'était quelqu'un d'aujourd'hui qui se lève avec une telle révélation, on dira que c'est un sorcier, c'est le démon. Mais c'est dans la Bible que c'est écrit. On a des prophètes à qui Dieu a demandé de sortir tout nu. Nous savons ce que la nudité représentait en Israël, une nation si pudique, tout nu, et de faire le trou à travers la muraille de la ville. Et quand les gens leur demanderaient c'est comment, ils diraient que, comme ils parlent, c'est comme ça, vous irez en déportation à Babylone. Mais c'est sérieux, mes amis. Aujourd'hui, là, je viens à l'église tout nu. Je viens là sans caleçon. C'est mes fils d'abord qui vont même plonger sur moi pour commencer à me délivrer de la folie. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut demander à un homme de Dieu de venir à l'église nu? Ce n'est pas compréhensible, humainement parlant, mais c'est possible, selon Dieu. Ce n'est pas exclu. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut demander à quelqu'un de manger du caca? Répondez, mes amis. Mais oui, c'est dans la Bible. Dieu peut encore le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut faire attention. Donc, un homme de Dieu peut faire des choses tout à fait incompréhensibles et des choses insondables. Et dans cette insondabilité, on ne doit pas du coup taxer ça de faux prophètes. Parce que toutes ces personnes-là, ces docteurs, la parole, qui agissent ainsi aujourd'hui envers ces prophètes,
aurait fait la même chose avec Jésus. Si c'était, c'est pas c'est Jésus qui se taise. Mais c'était que aujourd'hui l'esprit de Jésus, Jésus demandait à ses serviteurs que prends la boue, prends ta salive, mets dans la bouche des gens, ils vont parler. Ça va passer sur tout Internet. Qu'un faux prophète là-bas, il met sa salive pour donner les hépatites aux gens. Beba Gadak. Papa Ikane Ferdinand, s'il vous plaît, c'est très urgent. J'ai besoin juste d'un appel de vous afin de l'onction de Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. On va s'appeler. Dieu le permettra. Voilà. Donc, voilà, bien-aimés. Moi, je pense qu'on doit vivre en paix. Que chacun fasse son travail. Si chacun restait dans son couloir, je dis la vérité. Et puis que les exactions, que chacun agisse sous l'inspiration de la grâce. Tout ce qui est fait, pas sous l'inspiration de la grâce, est charnel. Et ça va porter le trouble. Ce n'est pas de Dieu. Que ce soit le prophète, que ce soit le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, tous doivent agir sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand on prophétise pour faire le show, là c'est pour la gloire de Jésus. Quand on prophétise, parce qu'on veut montrer quelque chose, je ne prophétise pas pour montrer quelque chose, mes amis. Non, je n'ai rien à prouver à personne. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Je prophétise pour accomplir la justice de Dieu, pour que les gens puissent écouter la parole de Dieu, être encouragés, être fortifiés. Et la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres futures des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ça la vérité. Donc, je voudrais dire à vous, chrétiens, soyez sages. Ne vous immiscez pas dans ces histoires-là. Voilà. Bon, maintenant, on a quelqu'un qui dit que la multiplication d'argent qui est vraiment existé chez le grand maître Marabout, là, non, ça, c'est les... C'est ça, ce sont les... Je le bloque même d'abord. Toi, tu es fini. Tu es bloqué. Voilà. Là, c'est le marabout. Bon, prenons par exemple la prière pour la multiplication de l'argent. On fait apparaître l'argent dans les sacs, les potes, monnaie et tout ça. Il y a des gens qui demandent que vraiment ça sert à quoi. Tout ça, ça veut dire quoi? Mais ne comprennent pas que l'Esprit de Dieu l'a déjà fait à travers Jésus. L'Esprit de Dieu l'a fait même dans l'Ancien Testament avec Élisée. Il y a des gens qui ont manifesté cette grâce de multiplier la grâce à multiplication. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. Mais il faut qu'on comprenne. Dieu peut multiplier l'argent. Dieu peut multiplier les crédits, les communications. C'est des opérations de l'esprit. C'est des choses saines. Ça, ce sont même les béabas. Hein? C'est les béabas du ministère, mes amis. C'est les béabas. On ne devrait pas être là à discuter sur non, ça sert à quoi? Non, c'est monté, c'est descendu. Non, mes amis. Là, c'est rien. Si vous ne comprenez pas ça, c'est sérieux. On a Naomi Makassi. Elle dit, mais dites comment vous faites pour avoir la prophétie sur les gens avec les précisions et même les numéros de téléphone. Bon, moi, je pense que il faut comprendre, Naomi Makassi, déjà, que c'est par l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ouais. La Bible dit que le mystère caché de Dieu est dans le Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que qui peut connaître l'Esprit de l'homme? Qui peut connaître l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui habite en l'homme? Et dit de même, qui peut connaître Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu? Et dit, nous avons la pensée du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons son Esprit. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu peut tout connaître. C'est-à-dire qu'il sonde tout. Il sonde les cœurs des hommes. Il sonde les secrets des hommes. Il sonde les secrets des nations. Et même Dieu n'est pas épargné. Il sonde même les secrets de Dieu. C'est-à-dire qu'un prophète qui est dans une intimité avec Dieu peut prophétiser même sur Dieu. Il prophétise sur Dieu. Il faut que les gens comprennent ça. C'est très sérieux ce que je vous dis. Parce que si tu sondes les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire que même le secret du cœur de Dieu, tu l'as par le Saint-Esprit. C'est pour ça que les prophètes sont des amis de Dieu. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Parce que l'Esprit de Dieu amène Abraham jusqu'au cœur, au centre des intentions de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que nous avons la pensée de Dieu. Quand Dieu pense, nous sommes au courant. Parce que son esprit nous révèle sa pensée. Ouais. Voilà pourquoi avant qu'un événement n'arrive, le prophète est déjà averti. Il est au courant. Parce que quand c'est encore dans la pensée de Dieu, quand c'est encore une intention dans l'Esprit de Dieu,
Le prophète le connaît déjà, à cause de l'Esprit de Dieu. Donc voilà comment nous connaissons les secrets des hommes. Parce que l'Esprit de Dieu qui en nous sonde tout, ils sondent les cœurs des hommes. Ils sondent leur numéro de téléphone, ils sondent tout de leur vie, ils sondent tout, ils n'épargnent pas Dieu lui-même. Voilà. J'espère que la réponse vous aura aidé. Que Dieu bénisse. Donc ce n'est pas la force de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. Et méfiez-vous des arnaqueurs, s'il vous plaît. Méfiez-vous des arnaqueurs. Tous ceux qui vous demandent l'argent, ce n'est pas moi. Ceux qui vous demandent les offrandes, il y a tellement de faux comptes à mon nom. Mon compte a plus de 200 000 abonnés. Actuellement, on est à 209 000 abonnés. Donc, quand vous causez avec un prophète des canets sur Facebook, regardez d'abord le nombre d'abonnés. De deux, mon compte, c'est prophète et canet Ferdinand. Prophète sans E à la fin et sans accent sur le dernier E. Parce qu'il y a un faux profil à mon nom qui a tout copié, sauf qu'il y a un accent grave sur son E de prophète. Moi, c'est prophète en anglais. Prophète sans accent sur le E et sans E à la fin. Voilà. Donc, on a Rosa Rosie qui dit, oui, ma préoccupation, s'il vous plaît, que faire quand on reçoit beaucoup de songes ou bien quand on a beaucoup de signes qui symbolisent un événement à venir? Oui, il faut prier. Si c'est un mauvais événement, vous pouvez intercéder. Voilà, si c'est un événement heureux, vous priez que ça arrive. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci. Oh, voilà que Dieu vous bénisse. Hein? Je cherche comme ça. Je cherche. Voilà. Donc, je disais que les chrétiens doivent donc lire la Bible. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Parce qu'il y a un grand désordre dans les enseignements aujourd'hui. Beaucoup de docteurs de la parole là enseignent. Pas parce qu'ils veulent édifier l'église, mais parce qu'ils veulent protéger leurs brebis d'aller chez les prophètes. Parce qu'ils se sentent menacés. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui vous mentent en public. Que non, on est contre la vente d'huile, on est contre la vente de telles choses, on est contre la vente de telles choses. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Déjà que ça n'a rien à voir avec les ventes. Il parlait des dons spirituels. Mais ces églises-là, si on vous dit l'argent qu'elles prennent aux gens, ces hommes de Dieu qui semblent paraître des gens qui ne prennent pas l'argent, parfois même dans leur direct, on ne montre jamais où on prend l'argent parce qu'on coupe le direct. Nous, on fait les offrandes en direct, tout le monde voit moins. Eux là, ils mettent des publicités là, ils prennent l'argent aux gens, ils suscitent des millions et des millions. C'est des multimillionnaires. Des multimillionnaires. Demandent l'argent aux gens. Mais ils ne viendront jamais dire ça en public, ils condamnent les autres. C'est l'hypocrisie, mes amis. Et c'est de la méchanceté en même temps. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Il faut montrer ce que vous faites dans vos églises. Les choses que vous vendez. Mais si tu vends le livre, c'est déjà le commerce. Tu n'es pas différent de celui qui vend l'huile en fait. Tu ne peux pas dire que quelqu'un vend l'huile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et toi, ton livre, tu veux qu'on achète. Toi-même, tu as reçu la connaissance du livre là gratuitement. Tu as acheté le savoir là. L'Esprit de Dieu là, il t'a vendu la connaissance que tu mets sur le livre là combien pour que tu revendes ça. Toi-même, tu as reçu gratuitement. Pourquoi tu ne donnes pas gratuitement? C'est ça la réalité, mes amis. Mais dans ces églises là, vous allez aller voir. Dans leur bibliothèque là, il y a des choses qu'on vend là-bas. Certains me condamnent l'huile, mais ils vendent l'huile, mais en secret, en cachette. Pourquoi cette hypocrisie? Pour se faire passer juste devant les autres, devant les hommes, et pénaliser vos frères. Tu ne peux pas prospérer dans le ministère en bâtissant ton ministère sur le sang des autres. La Bible dit, te sera fait comme tu fais, comme tu as fait. Et ça, la vérité. Ces gens-là qui montrent qu'ils n'aiment pas l'argent, ils condamnent ceux qui vendent l'huile et tout ça, ce sont eux-mêmes les amoureux de l'argent, c'est les vrais cupides là-bas. Ils font des conférences payantes. Tu fais les conférences, tu as reçu gratuitement. Pourquoi tu fais les conférences payantes? Des conférences en ligne, il faut d'abord donner l'argent. Beaucoup de réseaux là, de ces hommes de Dieu là, ils sont là dehors pleins. Que ce soit en Europe, en Afrique, tu veux faire, on fait une conférence là, tu entres là-bas, tu envoies ton argent d'abord. Et ils prennent combien? C'est des millions d'euros que les gars gagnent. Des millions d'euros. Toi, t'as pas, tu as reçu gratuitement et tu es en train de donner gratuitement, non? Quand c'est pour l'autre, non, tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. T'as pas, tu donnes gratuitement. L'autre même, on voit même combien il vend l'huile là même. C'est zéro. Par rapport à ce que toi, tu tords le cou de tes brebis. Tous tes brebis là, tous tes brebis, on souffre de la torticolie à l'église. D'autres, tellement tu les as appuyé le cou qu'ils ont la scoliose. D'autres, la lordose. D'autres, même la syphose spirituelle ou prophétique. C'est ça l'hypocrisie qu'il y a dans ces églises aujourd'hui. Les gens suivent les partenaires. Qui a 100 millions, qui a 10 millions. Mais tu as dit que
Les autres cherchent l'argent à l'église. Toi, tu suscites des millions, pourquoi donc? Et les gens ne réfléchissent pas. Mais c'est celui-ci qui condamne les autres qui vendent l'huile. Il dit que c'est le commerce. Lui, dont il suscite les partenaires, pourquoi? Il nous demande de donner autant d'argent. Le gars va demander une seule personne, est-ce qu'un seul partenaire donne? Ça dépasse ce que l'autre vend l'huile là pendant un an. C'est ça la vérité. Mais les gens n'en parlent pas. Il y a trop d'injustice dans l'église de Jésus. Lui-même a été persécuté par les pharisiens qui étaient hommes de Dieu. On l'a traité de démon. Oui, ça c'est clair. Hein? Le gars vient, condamne pour s'attirer la faveur des brebis et pour dire, ah, on va dire, ah, voilà un vrai homme de Dieu. Ah, ça c'est un vrai là-bas. Waouh, c'est vrai. Mais notre père là-bas avait l'huile là, l'histoire d'huile là-même. Allons chez l'autre là, tu vas arriver là-bas. Un seul culte, hein? On va te demander 10 millions. Ton père au moins te vendait l'huile peut-être à 5 francs ou 50 francs, ou 10 millions, je ne sais pas combien. Mais on vend, vous allez vendre les choses en secret, en cachet dans vos églises. Vous estoquez l'argent aux gens. Vous demandez plus que ce que vous condamnez. Moi, je n'ai jamais demandé dans mon église à quelqu'un de donner 2 millions. Il y a des gens qui me condamnent, même au Cameroun, qui me condamnent. Mais qui demandent les 10 millions aux brebis. Qui ont demandé les 10 millions, 50 millions. Les 5 millions. Ils n'ont pas peur. Mais toi, tu dis que l'autre cherche l'argent. Toi, tu demandes 5 millions. Les gens vont aller chercher 5 millions. L'autre même n'a jamais demandé ça. Parce qu'il a plus. Entre vous deux là, qui a plus pitié des brebis que l'autre? Qui ménage plus son troupeau que toi? Toi, tu têtes le lait de ton troupeau jusqu'à ce que les mamelles de ton troupeau sont devenues comme des bateaux là. On regarde, va regarder les seins de tes brebis. Il n'y a plus de lait dedans. Tu vas condamner quelqu'un pour des choses minables que tu fais plus. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la grosse, grosse poutre qui est dans ton œil? Méchanceté gratuite, sincèrement. Méchanceté gratuite. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Je suis dans la ville de Berthois et donc nous sommes arrivés et nous nous préparons pour la grande campagne de ce soir. Donc ça sera au Sénagès. Nous serons à Mokolo 1, ancien SCT au site de l'église. Donc comme tu viens, que le Seigneur te bénisse. Mino Berthois, Mignoti Berthois. Qui dans le jam de Dieu, Mindoa, ancien SCTA, église à Mindoa Mokolo 1. Mindorena Mondou, Bekadionoara, Taton Jora Sare. Alawana Mon Barkande, Inde, Salmasio, Mintoria, Mina. Donc, que Dieu te bénisse au nom prêché souverain de Jésus. Méfiez-vous. Prenez garde de l'hypocrisie de certains hommes de Dieu qui font passer les autres pour le diable, mais qui, eux, ont leur queue dans le pantalon. Que Dieu te bénisse au nom prêché de Jésus-Christ. Amen.